Yo les gens, c'est Sadwish, nous ferons pour une autre vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Je continue ma série de monter le Dark Meter. Pour mon matière noire, pour les Français. Ah, ça c'est en anglais, ça c'est Dark Meter. Français, matière noire. Je pense que vous le savez maintenant depuis que j'ai sorti. Donc du coup, c'est pas très compliqué. Les shots, c'est le plus compliqué. Bah, après, bon, on a fini vos headshots, c'est easy. En 2-3 parties, t'as fini tout ça. T'as fini à peu près tous les défis. Ce qui est assez chiant, c'est à faire, c'est les tirs de loin. Juste ça. Bah, c'est ce qui est le plus compliqué. Et puis voilà, voilà. Quand vous avez fini votre tire-tête, c'est vous avez. Bon. Moi je dis quand t'as fini ton tire-tête, pour moi j'ai l'air en main. Je me prends un peu de la tête. C'est comme ça. Et voilà. Alors, je vais. Expliquer les armes que je vais essayer de monter, enfin les parcs armes que je vais monter, les catégories d'armes que je vais monter. Je vais faire là les fusils d'assaut, mitraillette, mitrailleuse, sniper, fusil à pompe, sniper, et puis après secondaire et couteau. Voilà, ça sera tout après, ça sera bon. Puis après j'essaierai de monter à la 100% multijoueur. Je sais pas si je vous ferai un petit gameplay pour la carte de visite quand je l'aurai, la dernière partie où je l'aurai, parce que ça va être assez chiant à monter et c'est assez chiant et assez très 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 long. Donc voilà. Alors je vous ce que je vous conseille pour monter Dark Meter, c'est pas compliqué, c'est pour vous jouer avec, genre vous prenez par exemple une manoir, vous mettez un viseur, une poignée, hein. Moi ce que je conseille c'est viseur réflexe ou Hello, c'est comme vous voulez. Des fois je mets Hello, je mets plus le Hello que le réflexe, parce que bon, le réflexe j'aime pas trop sur ce Call of. Enfin, je sais pas, mais le Hello j'ai l'impression que ça vise plus vite. Je sais pas si c'est une impression, si c'est comme ça, hein. Ce qu'il faut mettre en général sur les fiches de solo, ce sera un viseur, une poignée. Fusil d'assaut, c'est viseur, poignée, j'ai dit, et tir rapide, c'est ce qu'il faut en général. Les gens peuvent dire que c'est noble et tir rapide, je m'en fous complètement. C'est le jeu il est comme il est. Si t'as plus de chances de gagner ce duel, je le mettrai. Quand t'as plus de chances de gagner ce duel, quand t'as tir rapide, je le mets. C'est comme ça. Ouais. Pour moi c'est comme ça. Pas trop, les gars. C'est vrai, personnellement je trouve que j'ai plus de chance. Alors j'ai dit, voilà, j'ai fait avec les. Après les mitraillettes, tout ça. Tout ce que je propose de mettre, c'est poignée, chargeur rapide et un canon long. C'est la base. Hop. Après, ça dépend des mitraillettes. Par exemple sur une Vesper, je mettrais plus poignée, canon et chargeur rapide. Soit vous mettez chargeur rapide, soit je mettez chargeur 24 parce que les balles partent très 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 vite sur la Vesper. Mais après sur les autres armes, c'est poignée, canon, chargeur rapide ou chargeur 24, comme d'hab.
après pour les mitrailleuses. Pour les mitrailleuses, ce que je conseille, c'est une poignée. Vous pouvez mettre poignée. Avec le poignet, ce que je mets en général, c'est poignet chargeur, chargeur rapide, chargeur grand cap, viseur réflexe sur les trois mitrailleuses sauf la Gorgone. Gorgone, je mets chargeur grand cap, chargeur rapide et poignet. Je mets pas de viseur parce que bon, j'aime pas les viseurs sur celle-là. Quand non, je mets pas. Ça, j'ai dit quoi? Ouais, chargeur rapide, chargeur 24, et tu peux mettre tir rapide parce que c'est assez long à partir les balles. Mais après, tu tues en 2-3 balles. Après, il y a les fusées à pompe, c'est pas compliqué. Hein. Canon long, comme canon long, tir rapide. Canon tir rapide, je sais pas. Bah, c'est tout, hein. Pas besoin de plus d'atouts, hein. D'accessoires. Après, pour tous, à peu près ça. Hein. Puis après, pour les guns, hein. Que je mets en général, c'est un gros calibre, j'ai un 34. Puis c'est ce qu'il faut mettre. Après, bon, voilà, couteau. Hein. Couteau, c'est pas compliqué, hein, les gars. C'est faut mettre des paras et des flashs. Enfin, moi je suis plus parafumi que para et flash, mais bon, comme vous voulez. Voilà. Alors, après ce qu'on te fait, à part ma série sur Black Ops Rush, avant de faire une série sur FIFA Limiting 16, en attendant le 17, que je continue ma série sur le FIFA fin. Sur FIFA 17, je continuerai ma série sur FUT 16, parce que je l'ai commencé d'ici une semaine, je pense. D'ici d'avoir slash construction de mon équipe. Je suis en division 7 à 8. J'ai recommencé mon club parce que j'étais en division 1. J'avais des joueurs très très chers. Donc j'essaie de faire avoir des gens qui ont un moyen budget comme moi. Les efforts que j'ai eu, c'est juste en faisant des matchs, les gars, avec les trucs bonus de crédit par match j'avais eu. Donc c'est juste en faisant ça que j'ai réussi à avoir ce que j'ai eu. Mais je précise parce que pas de technique d'achat revend, des trucs comme ça, ou d'achat de crédit, pas comme ça. Enfin, moi je fais pas ça parce que avant c'était comme ça que j'avais fait, que j'avais des joueurs comme des Nazar, Yatour et tout ça. J'avais des joueurs comme ça, c'était parce que j'avais fait des lâches en avance. C'est clair que j'avais fait pendant 2 mois, j'avais réussi à faire plus d'un million de cahiers. Donc bon, c'est. Après, sur le FIFA 17, je ferai une série sans vraiment d'achat revente. Hein. C'est clair. C'est la base, quoi. Début du jeu, je le ferai, les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Puis je ferai l'achat revente pour avoir un retour, un grand joueur, un assez grand joueur. Bon. C'est grand joueur qui puisse me faire gagner des matchs.